Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Okinawa Rush. Alors j'ai des petits soucis avec ma capture vidéo, il veut pas bien me capturer, alors j'espère que ça passera. Bon, j'ai pas tout, il y a une petite intro, une petite cinématique d'intro qui est sympa et que j'ai pas réussi à vous capturer. Mais c'est pas grave, on verra le jeu ensemble. Donc Okinawa Rush, un jeu disponible, enfin qui est sur Kickstarter en fait. Et il y a une démo qui est disponible. Bah, c'est aussi qui me la lance toute seule la démo, enfin la cinématique plutôt. Ah voilà, bon je vais la laisser parce qu'elle est quand même pas mal. Ce genre d'intro où lorsqu'on ne fait rien sur l'écran titre, la cinématique se lance. Puis après je vais vous présenter le jeu un petit peu ce qu'il en est. Je vous mets le lien Kickstarter dans la description avec du coup le lien pour télécharger la démo. Je vais passer aussi en full screen mais là voilà le temps que je vous fasse la description, voilà. Bon, ça peut-être relancer la cinématique, c'est pas grave. Donc, Okinawa Rush est prévu pour sortir en décembre 2017. C'est un jeu de plateforme, d'action, de combat aussi. J'ai pas forcément plus d'infos en 2D, avec un style assez rétro. Notamment dans les sons, dans les bruitages, dans la musique. Avec là, une ambiance très ninja, mais combattant, je sais pas. Je sais jamais quel mot à approprier dire, donc bon. Je vais au lieu de dire des bêtises... À défaut de dire des bêtises, je vais me taire. On va dans les settings. On va mettre en full screen. Je joue avec le pad Xbox 360. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Ok. Start. Voilà. Alors, on a... plusieurs écrans. Alors, j'avoue, je ne vais pas trop comprendre. Ok, dans stage 1, ok, dojo, stage 1. On peut s'entraîner, combat versus, edit dojo, erase all data. Ok, bizarre. Bon, on va faire le stage 1, de toute façon, il y a que celui qui est disponible, visiblement. Hero makes his way home through the storm, unaware of the demon waiting in the shadows. Ok. Ah, on peut choisir la difficulté, pas mal. On va mettre difficulté medium. Dark force is tearing underground on a remote island northwest of Okinawa. The Black Mantis clan, an ever-growing ruthless gang of ninja assassins. They prize wealth and power above all. Okay, those that have heard Japan Lear, their attention has been focused on Hiro Yashima. A character master residing, yes, in Okinawa. Putain, j'ai pas le temps de lire. Bon, bref, du coup, il y a un clan de ninja qui veut notre peau. It is a Shinkukai training manual that the ninja desire. With this ancient knowledge, they could bring into devastation to Okinawa and beyond. Et ils veulent un parchemin pour répandre le mal, en fait. De manière très originale. Désolé, hein, ça va un petit peu vite. Oh. Le dialogue, il y a vraiment du scénario, des cinématiques sympas en mode rétro, pixelisé, je trouve ça vraiment sympa. Ah, bah, je tâcherai de garder un petit coup d'œil sur ce jeu-là à sa sortie officielle, parce que... En espérant qu'il y ait une traduction française aussi. Ça peut être sympa. No! C'est Wolverine. Et ils enlèvent ma fille, bien évidemment. Hmm. Oh non! Ma vengeance sera terrible. Stage 1. Ok. Du coup, ça va chier. Voilà. Du coup, alors attendez, je vais juste les ennemis avant de parler un peu. En haut à gauche, on a une sorte de barre de vie avec des combos. On a un score à droite. Une épée, est-ce que je peux la récupérer? Non, je sais pas. Je peux sauter donc avec A, avec B, je ne peux rien faire, RTLT, non, je bouge, je peux me baisser, je peux danser, Y, je peux faire genre de, voilà, et X, je donne des coups, je donne des coups en bas, des coups en haut, ça c'est stylé, ce qui est niveau animation, je trouve ça sympa, là, le coup high kick, low kick, coup de poing, enchaîné, hop, bon bah on va laisser tranquille, danger,
Bon, je récupère des items, je sais pas quoi ça sert. Je me suis fait empaler, j'ai rien compris. Ah mais il reste des vies, merde, je regarde. Oh, loupé! Loupé Shrek! Ouh, ouh! Oh, c'était stylé, une sorte de QTE, enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un QTE. Oh, c'est génial! Oh, c'est violent! C'est génial! Oula! Ninja vert, ninja noir! Oula, oula, on sait pas trop ce qui se passe à l'écran. Là, je prends des dégâts par contre. Ah merde, il m'a eu, putain la vache! Last life! Ouais, des bananes! Je peux récupérer de la vie avec des bananes. Dégage-toi. C'est génial. Ah, mais l'animation est vraiment sympa. Pick up. Oui, sauf qu'il y a un mur. Oula, 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 oula. Saute, saute, saute. Ah, putain, la vache. Oh, je les enchaîne. Et je suis mort. Ouah, c'est difficile. Game over. Putain, c'est très arcade, j'aime beaucoup. Je vais baisser les difficultés parce que sinon je vais vraiment pas aller loin, mais waouh, stylé! Genre il y a des high scores, est-ce qu'il y a un mode en ligne, je sais pas, en mode comparer vos scores. Oui, le jeu. Non, c'est bon. Ah, il va me remettre l'intro, mais je m'en fous. Ok, on va du coup refaire le stage 1. On va être Yellow Belt, hein, on va la jouer tranquille. Ok, stage 1. Ok, putain, le petit boss là en vert, c'était stylé, hein, comment je l'ai enchaîné. Coup de genou dans sa face et empalé. Oh ! Ah oui, j'ai le Y aussi, j'ai pas fait. Je peux récupérer ça là. Je suis mouillé. Ah, attention au danger, voilà. Ah, il faut que je fasse ça. Y, oui, parce qu'il y a un mec qui m'entourait. Oh, je l'ai désintégré quoi. Putain, il m'enchaîne! Oh, putain, on peut même pas attaquer lorsqu'on nous attaque comme ça, c'est abusé. Ouh! Juste que je fasse suffisamment avant. Oh! Il a volé lui. T'es encore mort? C'est une question de temps. Oh! Putain, c'est génial! Qu'est-ce que tu fais là? Bouffe! Moi je fais de dépôt, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ça? Oula, c'est dynamique hein. Smash! Oh, le sol c'est du polystyrène. Ok, point de sauvegarde. Oh putain, je me suis attaqué par une chauve-souris quoi. Voyons! J'ai une sorte de... d'énergie rouge là. Voyons! Oh, c'est excellent! Oula, ils sont nombreux! Sors-toi de là, Okinawa! Ah non, c'est pas son nom, oui. Yamatori, ou je sais plus comment, désolé. Ouah, ils m'ont désintégré! Énorme! Putain, c'est excellent! Par contre, j'ai plus beaucoup de vie, faudrait que je fasse gaffe. Ouah, y'a un gros! C'est bon. Oh, les sauts de fou que je viens de te faire là! Aïe! Ok, je peux pas le libérer, faut y rien à faire. Danger. Oula, pardon. J'ai peur. Oula! Ok, oula. Pathway open. Oh, comment je les enchaîne! Oh, putain, c'est dangereux ça. J'ai eu peur. Les contrôles sont un peu. Un peu dans tous les sens. Il y a genre, on dirait qu'il y a un passage en dessous là. Wouah! Non. C'est vraiment stylé, putain. Ah, pick up. Oh, j'ai un bâton! Cool. Coucou. Hehe. Blood Raider. Look like you are a little late for the party, Mr. Yashima. I hope you don't mind that about some guests. Oh, and who might they be? Putain, je sais pas, je... My face! Oh, il a mis des potes! Ah, j'ai perdu mon bâton. Mais c'est pas grave, j'ai mes points comme copain. Oula, faut faire gaffe, là. Oh!
Ouais, il fait noir. C'est génial comme jeu. Aïe. Cool. Aïe, aïe. Ça va récupérer de la vie, enfin, genre des vies plutôt. Parce que après, je meurs une fois, puis c'est fini. Ah, ils vendent des shurikens, enfoirés. Dans la flotte, on est ouf, nous. Oh, cette violence, c'est génial. On peut vraiment avoir un jeu violent sur un 2D rétro, je trouve ça vraiment cool, quoi. Ah, après que j'ai récupéré des vies, cool. Dans la surface. Bon, désolé, moi je vous laisse... prisonnier, je vous laisse crever dans la caverne. Hop, hop. C'est stylé. Il y aurait peut-être des trucs à améliorer, mais waouh, c'est génial, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. Aïe! Supreme Elixir! Oula, il pleut. Ah, mais du coup, j'ai voilà, j'ai ouvert le truc là. Hop, petit point de sauvegarde. Ça, blood spill dans tous les sens. Wouah! Rockman, you dare to challenge me wearing a yellow belt? Ah, du coup, j'ai ma. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut? Genre, choisir un rang. Green belt. C'était fini? Stage 2? Non. Oh, je voulais en plus, moi. Attendez. Merde, mais il va me redemander. Si je fais ceinture noire, ça fait quoi? Expert. Oula, je sens que je. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il disait, le sort de boss, là. Bon, j'ai mis ceinture noire, je sens que je vais la défoncer. Ok, de toute façon, moi, je pense que j'ai arrêté après. Je pense pas qu'il y ait grand, plus autre chose d'autre que ça, mais je voulais me faire le boss. Dommage. Oh. Ouh, cette violence. Il ne reste plus beaucoup de vie là. Ok, il est mort là. Ah. Salut, Ken. Ok. Aïe, aïe. Shuriken dans la nuque. Pardon. Game over. Bon, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. Ce sera une petite vidéo découverte. Franchement, je vous recommande le jeu. Les sensations sont vraiment cool. Je vous mets la démo téléchargeable dans la description. Je tâcherai de garder un oeil sur ce jeu-là parce que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à Shinobi, là, un jeu pareil, un petit peu en délire en ninja et compagnie. Que j'avais fait il y a quelques temps de ça. Et j'aime vraiment beaucoup ce côté dynamique. Voilà. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc je vous le recommande chaudement, et je vais suivre ça avec attention. Voilà, c'était Okinawa Rush, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt, salut!